Coucou tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va faire du Popsy Slime. J'avais très hâte de faire cette vidéo, donc let's go! Donc bah, on va l'ouvrir donc comme ça. Mon voisin maman elle m'a aidé. C'est trop beau. Donc on va appuyer. Luna elle casse tout. Donc bah, on va ouvrir parce que, et on va laisser ça tomber. Et on va tout ouvrir après. Donc il faut tourner de sens il me semble. Voilà. Il y a plein de surprises. Et elle a 10 surprises. Donc là il me semble que c'est la crotte. Voilà, c'est la petite surprise. Ça, c'est la boîte. Un échec ou quelque chose d'autre. Ah, c'est ça la crotte en fait. Voilà. Et il y a les papiers. Donc j'ai hâte. En fait, c'était le gobelet. Donc là, on va. Ça, c'est les instructions. Donc on va regarder un peu. Et moi je vais vous regarder la collection. Donc il y a vraiment beaucoup de petites crottes. Oh il y a un tour. Donc je regarde vite et après je vous les montre. Oh il y a un cocamburger. Donc voici tout ce qu'il y a à collectionner à l'intérieur. Et puis on va découvrir ensuite laquelle nous avons. Donc voici la notice avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Et ensuite vous avez la notice étape par étape. Donc Luna va faire la 1, la 2, la 3 et ainsi de suite. Et ensuite on vous montrera. Donc petit 1 c'est de découvrir le métier ou quelque chose d'autre. C'est parti. J'ai trop trop hâte. Il est trop beau. Donc voici le milkshake. Donc voilà, on a ouvert le milkshake et on va commencer par on va déjà verser de l'eau dans le verre. Donc on va ouvrir le verre de l'eau. Ah il est rose. Donc on va aller chercher de l'eau pour en mettre. Donc il faut jusqu'au trait. Donc on va aller chercher l'eau. Donc c'est parti. Donc là on vient de mettre de l'eau dedans. Donc on va le verser dans le milkshake. Et voilà. Donc maintenant on va mettre. Donc on sait pas du tout c'est quel goût. Hein. Et ça fait trop beau de faire dans un milkshake. C'est trop rigolo, hein maman. C'est dur à ouvrir par contre les sachets. Ah ouais. Oh, il est trop beau. Parce que c'est toujours le même truc. Voilà. C'est le petit flacon. Donc voilà, on est déballé. Donc on l'a déballé, donc on va sentir. Ah ça sent trop bon. Donc il faut mettre combien de gouttes? Normalement 5. 1 2 2 3 4 5. Comme ça on pourra en mettre dans nos slimes qu'on veut fabriquer. Ensuite, il faut mettre la unicorn food. Donc voilà. Oh, c'est trop beau. C'est du bleu. C'est du bleu avec des taches un peu turquoise. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Ça fait un peu du bleu. C'est trop beau. Faites la poudre mélangée avec l'eau, ça fait du bleu. Ouais. Donc maintenant, on va regarder. Il faut secouer. Donc maintenant, on va mettre le chrono. Donc à 3, 1, 2, 3. Et en fait, il faut que Luna secoue pendant une minute. De haut en bas. Et il faut laisser... Et ensuite, il faut laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Donc nous, on vous retrouve après. Après, tout à l'heure. À tout à l'heure. A few moments later. Donc voilà, on a attendu presque 20 minutes et tout.
Donc ça bouge plus, on va découvrir l'escalier. Tiens. Ah, donc on va découvrir la petite cuillère. C'est une petite cuillère que maman va me montrer. Donc on va découvrir la crotte. J'espère, moi j'aimerais bien avoir la galaxie. Moi je veux celle-là. D'accord. Allez, vas-y. La Brezel. C'est la Brezel. C'est celle-là que je voulais. C'est celle-là que je voulais. Waouh. Oh, trop. Et après, je crois qu'on peut mettre le slime dans son. Ah, c'est trop chelou. C'est pas une crotte Brezel, hein. Je crois que c'est une crotte poisson, quelque chose comme ça. Montre. Et elle a des petits trucs. Et c'est un porte-clés. Ah, regardez comment c'est trop choupi. Et du coup, maintenant, j'attends. Donc, ça, c'est une petite et du crotte. Coup, on fera une collection, mais. Donc, dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on en refasse. Ouais, parce que c'est super sympa, en tout cas. Voilà, parce qu'on adore. Et en plus, ah oui, c'est un poisson parce que là, il y a les deux. Mais oui. Maintenant, on va mettre le unicorn magic. Oh, heureusement qu'il n'y en a pas qui est tombé. Maman, elle était comme ça. Ça y est, t'as tout mis? Pas tout. Oui, c'est bon. Luna va s'étouffer. Donc, voilà la petite cuillère. C'est une licorne. Voilà. C'est trop cute. Donc maintenant on va. Donc là tu mélanges un petit peu, tu mets la gelée dans la paume de ta main et tu fais ça. Tu frottes, tu l'étires, tu la réétires et ainsi de suite. Nous avons fini le slime qui est bleu clair avec des paillettes. Voilà, il est super beau. Donc on va le mettre dans la crotte. Donc on le referme. Et voilà, ça fait un porte-clés avec du slime dedans. Donc je suis vachement contente parce que il est vachement beau. C'est super beau et c'est super cool. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu dans cette petite boîte qui est juste là. Donc voilà. Donc, voilà le petit mini-check. Trop trop cute. Le petit gobelet rose des paillettes. La petite lotion. Trop cute. La petite cuillère. C'est comme. Et le petit slime dans la petite. Franchement, en rangement, c'est un porte-clés avec dedans on peut mettre du slime. Donc pour moi, je trouve ça trop cool. Et le slime. Voilà, trop cool. Donc on peut mettre notre petit porte-clés sur notre cartable pour l'emmener à l'école pour en cachette prendre le slime. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Popsy Slime? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai adoré. C'était trop cool, trop fun. Et j'ai trop envie d'en faire. Et donc, voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires.